بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 2 sur le cours des statistiques niveau première année collégien au Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. Lors d'une enquête sur un groupe de personnes concernant les boissons qu'ils préfèrent, on a obtenu le résultat suivant. درنا واحد لونكيت على واحد المجموعة ديال الناس وسولناهم اش شنو هو المشروب اللي عزيز عليهم اللي تيبغيو يشربوه. Et on a obtenu ces résultats. هنا le jus de fruits واش عصير ديال الفواكه واش الصودا يعني لي ليموناد etc. Le lait ou l'alma ou la autre chose qu'on ne sait pas. Donc ici je donne les effectifs pour le jus de fruits. 15 personnes qui aiment le jus de fruits ou bien qui préfèrent le jus de fruits, 22 personnes qui préfèrent le soda, 17 personnes qui préfèrent le lait et 24 personnes qui préfèrent l'eau tout simplement et 32 personnes qui préfèrent autre chose que ces données-là. Petit a, quel est l'effectif total? Petit b, calculer la fréquence en pourcentage du soda. Petit c, calculer la fréquence en pourcentage du lait, c'est-à-dire ceux qui aiment le lait, on veut voir quel est leur pourcentage dans ce groupe. Allez-y, prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Je vous attends. Ça y est, on peut commencer. Allez-y, réponse. Petit a, quel est l'effectif total? Donc je vais écrire l'effectif total et je vais le noter n tel que n est égal à quoi? Oui, c'est la somme de ces effectifs que vous avez ici, c'est-à-dire 15 plus 22 plus 14 plus 17 plutôt plus 24 plus 32 et on va calculer cette somme. Qu'est-ce que ça donne? Donc n est égal à 110. Ça c'est l'effectif total. Donc on a posé la question à 110 personne, bien sûr. Passons à l'autre question. Quelle est la fréquence en pourcentage du soda? Donc, pour trouver la fréquence du soda, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va calculer le rapport de l'effectif associé à la valeur du soda sur l'effectif total. Et l'effectif associé à la valeur du soda, il est combien? Oui, c'est 22 sur l'effectif total, c'est-à-dire sur 110. Et on va mettre ce rapport sous forme d'un pourcentage. La fréquence du soda est 22 sur 110. On a 22 sur 110 est égal à 2 sur 10 après réduction par 11 qui est égal à 20 sur 100. Donc la fréquence du soda est 20%, c'est-à-dire 20% de ces personnes aime ou bien préfère le soda. La dernière question. Calculer la fréquence en pourcentage du lait. Bien sûr, on va regarder le résultat ici du tableau. Et juste la partie du lait, juste en bas, vous avez l'effectif. 17 personnes qui préfèrent le lait sur le nombre total du 110. Donc la fréquence, c'est 17 sur 110. Donc, je vais écrire ça.
La fréquence du lait est 17 sur 110. Normalement, on va dire la fréquence des personnes qui préfèrent le lait est 17 sur 110. On a 17 sur 110 est à peu près égal à 0,15. Donc j'ai donné ici une valeur approchée. Et 0,15, on peut la mettre facilement, cette valeur, sous forme d'un rapport dont le dénominateur est 100. Ça donne 15 sur 100. Donc, la fréquence du lait est à peu près égal, est à peu près ou égal à 15%. يعني الناس اللي تفضلوا الحليب النسبة ديالهم تتمثل 15% من هذا الجروب ديال 110 بيرسون. Cet exercice est terminé, il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourse Zeitoun Marrakech. Au revoir.